領域展開。Oh là, j'ai des frissons, quoi. J'ai des frissons, c'est une dinguerie. Parce qu'ils sont bien, quoi, sur la saison 2, épisode 17, jusqu'à ici. Archibuya. On continue le sal. Épisode après épisode, c'est le feu. Même si, j'ai vu que Mappa, comme quoi, les animateurs de Mappa, ils travaillaient trop. Là, ils sont mal. Et en plus, il y a des gens qui se plaignaient, comme quoi l'animation était mauvaise. Les gens ils sont jamais contents, même après le sale qui nous serve là, les gens ils sont jamais contents. Bon bref, j'espère que ça va continuer à être aussi lourd. Allez, Kuzo. Oh, je fais une quête d'homme, on dirait un film gros. Ok, vous nous expliquez qu'on a plus la technique des 10 ombres. On ne commence qu'avec deux chiens. Et vous êtes familier? Ok, faut d'abord l'exercer pour les contrôler, hein. Là, je pense qu'il explique sa technique cheatée là. Donc ça c'est le 10ème Shikigami là, le monstre qu'on a vu dans le dernier épisode là. Gros, l'animation elle est incroyable, c'est on dirait un film. Il continue en plus, il continue de lâcher une animation des psychopathes. Ok, c'est quand Jogo a lâché la météorite. Ok, il va utiliser enfin sa technique, frère. Oh, il va faire une dinguerie. Personne n'a encore su demander ce familier. Ouais, mais t'as un talent de ouf. Oh. Les chefs de nos clans se sont affrontés à un duel. Oh. Ils sont entretués. Quoi? Ouais, je veux dire, le chef de Zen, il était surpuissant. Oh, ok, je comprends pourquoi Gojo ils disent. Megumi, il a le potentiel de me surpasser, gros. Oh, ça veut dire que t'es puissant, Megumi. T'as le talent. Ah, mais est-ce que l'utilisateur des 6 ailes, est-ce qu'il était. Il utilisait au mieux que Gojo? Est-ce qu'il était aussi puissant que Gojo? Ok, enfin il l'utilise. Enfin il l'utilise. Mais est-ce qu'il allait ressentir sa présence? Entièrement libre dans très peu de temps? Oh. Ah ouais, c'est une servante fidèle elle, hein. Je connais, il va faire quoi là? Parce qu'on sait qu'il a été intéressé par la technique de Megumi. Oh là 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 là, il va l'utiliser enfin, gros. Ouais, c'est une invocation, frère. Makora! J'invoque le général céleste impie. Ok, il s'appelle Makora. Eh hey, gros, ça se voit qu'il est trafiqué, gros. Ça se voit qu'il est trafiqué, gros. Ouais, je vais mourir en utilisant cette technique. Ouais, je vais mourir. Oh non, il savait qu'il allait se faire attaquer par sa propre invocation. Il peut pas le contrôler celle-là. Ok, c'est comme ça qu'il a été. Ok. Damn, ça c'est un monstre, frère. Et le Karadizen, il est. Le Karadizen, gros. Mais c'est une dinguerie qu'il utilise contre lui, frère. Il l'a pas utilisé contre Sukuna la dernière fois, là, mais il l'utilise contre lui, gros.
Elle n'explique pas. Ouais. En gros, il a plusieurs vies. Hein. C'est comme ça que. C'est-à-dire, ok, un ami, il a fait son boulot, il l'a tué à ce moment-là. Ouais, c'est qui l'a sauvé là? Oh, ce que là, pourquoi il l'a sauvé? Pourquoi? Oh, et l'avocat c'est... Ah, ok. Wesh, t'es dingue. Wesh, il l'a soigné, frère. Il l'a soigné. Je dois vaincre. Wesh, dingue. Megumi, il a fait une dinguerie, hein. Il a invoqué ce monstre là. Ouais, j'ai encore un combat avec ce Kuna, gros. Non, ils nous mettent bien là, ils nous mettent bien, gros. Mais ça se voit, il est trafiqué lui. Je me demande s'il maîtrise l'extension du territoire. Je sais pas si c'est compté comme un fléau en vrai. Gros, t'es mal à cinématographie, gros. T'es mal à cinématographie, gros. C'est quoi ça? C'est quoi ces couleurs incroyables là, on dirait un film encore. Non, mais après, ils ont tout donné dans cette saison. Ils ont tout donné dans cette saison. Gros. Non, avec ça là, je pense l'Archimia, gros. Je sais pas comment ça va se terminer, hein, mais pour l'instant, c'est un des meilleurs. Ouh, c'est un des meilleurs, gros, tout animé confondu. Hein. C'est incroyable. Wesh, il rivalise avec Skuna. Moi, c'est pas un Skuna à full puissance, mais gros, Skuna 15 doigts. Hein. Wesh, il est serré là. C'est pas un fléau, ok. Ok. J'aurais été plus... Oh. Oh, je suis sérieux. Damn. L'animation... Non. Cette saison, elle est incroyable. Cette saison, elle est incroyable. Frère, les combats ils s'arrêtent pas! Wesh, la tête d'homme il me rappelle de ouf. Le gars de Resident Evil là, Nemesis gros. Et son chara design il est excellent, frère. Il est excellent son chara design. C'est une dingue qu'il arrive à rivaliser avec Skuna. Même si c'est un Skuna 15 doigts. Il a un potentiel de psychopathe, Megumi, frère. S'il maîtrise les 10 doigts là, les 10 ombres là. Même l'OST. Eh, non. Jusqu'à c'est incroyable. C'est incroyable. Non, on est en train de manger semaine après semaine. Wesh, il se régénère. Ah, mais là, je suis bien là. Wesh, y'a plus de civils en vie, gros. Y'a plus de civils en vie, gros. Ah, si, y'en a encore. Ok. Wesh, tout le chaos qu'ils ont foutu là, Jogo et. Est-ce qu'on a maintenant. Makura, je crois, comment il s'appelle, et ce qu'on a encore là. Ah, lui, ils veulent pas le faire mourir, lui. On dirait qu'il va jouer un rôle important dans le futur, ou sinon, je sais pas. Sinon, il va mourir dans cette saison, c'est bon. Wouah. Quand même le bordel qu'ils font. Et ça, en plus, j'aime bien, y a aucun dialogue, gros. C'est que de la bagarre, aucun dialogue.
Oh, oh, c'était lourd ça. C'est en train de foutre un de ses KO, gros. Moki l'OST? Non, mais non, non. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Comment Jusqu'ici, ils arrivent à nous lâcher des masterclass épisode après épisode, gros. Ça fait 4-5 épisodes d'affilée, là. C'est une dinguerie, wesh. Alors, on est vraiment au prime de Jujutsu Kaisen, hein. On est au prime. C'est une dinguerie. Il me rappelle deux fois aussi Berserk dans Fate. Chiffre les monstres comme ça à la Broly, tu vois. Ils sont incontrôlables. Ok. La technique d'utilisation de Sukuna, c'est déchiré, hein. Comme il a dit Jogo, là. Ouais, il découpe tout et n'importe quoi. Je sais pas s'il est plus puissant, Makora là, si Megumi l'utilise. Parce que là, il est incontrôlable, hein. C'est comme Kyuubi avec Naruto. Il doit avoir un power-up si Megumi le contrôle à 100%. Le reste est incroyable. C'est quoi ce combat de titan là? C'est incroyable. Ah, je sais même pas quoi dire, gros. Oh, ils se font massacrer! Non, les civils ils sont massacrés! Wesh, il a fendu le ciel en deux là où je rêve! Oh la dinguerie! Wesh, il est devenu bien plus grand! Oh là 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 là! Mais wesh, 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 wesh! Wesh, tout le monde est mort à Shibuya là, c'est pas possible, tout le monde est mort, frère! Pour l'instant, aucun des deux qui ont utilisé leur extension du territoire. Hein. Après, je sais pas si Makora il a son extension lui. Vu que c'est une invocation en vrai. Et toutes les percivies qu'ils sont en train de faire là, c'est une dinguerie, gros. Aïe 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 aïe. T'as vu cette animation? Non, c'est trop. Eh, ceux qui se plaignent là, ceux qui se plaignent de l'animation de Jujutsu Kaisen, mais la vie d'homme. Mais. Comment tu peux te plaindre de cette animation de psychopathe, frère? Comment? Semaine après semaine, frère. Semaine après semaine, épisode après épisode. Mais c'est une dinguerie ce qu'on mange. C'est une dinguerie ce qu'on mange là. Gros. Gros. On est en train de manger un full épisode de combat là, après la semaine dernière. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Ah. Tu ressembles à Yamada no Orochi. Oh. Cette légende, elle existe dans Jujutsu Kaisen, hein. C'est après avoir tourné sa roue de vie. Ah, c'est comme ça qu'ils se soignent, ok. C'est comme ça qu'ils se soignent. Le cycle. Et l'harmonie. Eh, les pouvoirs dans Jujutsu Kaisen, c'est vraiment une dinguerie. Hein. Le système de pouvoir. Il s'adapte à chaque situation. C'est-à-dire, il s'adapte à. Oh, il sourit. Oh, le dé sourit. Ouais, il a pas dit ici. Ouais. Quand il a. Ouais, la dernière fois qu'il avait 4 dons, il va utiliser son territoire. Il va utiliser son territoire. Ce qu'il va utiliser son territoire. Ryuuki Tenkai. Yes!
lol, j'ai des frissons, gros. J'ai des frissons, c'est une dinguerie. C'est quoi cette OST? L'OST, elle est épique, gros. J'ai des frissons. Ça la mode entrave, c'est comme un pendant. Regardez-moi la scène, regardez-moi cette scène de psychopathe. Gros, Jujutsu Kaisen, c'est... Eh, non, non. Non. Jujutsu Kaisen, c'est dingue, gros. Ah, il y a de 200 mètres autour de lui. Son territoire, il s'étend à 200 mètres. On n'est pas à atteindre. Ok. Mais qu'est-ce qu'il veut faire avec Megumi? Je sais pas, il veut le contrôler, il veut prendre son corps à la place de Itadori. Ou il veut voler sa technique. Qu'est-ce qu'il veut faire avec lui? Il veut juste un combat quand il sera surpuissant, quand il contrôlera Makora. Il veut un combat égal avec lui. Il sait quoi son objectif avec lui. Wow, 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 wow. Il va tuer les civils. Oh mon dieu. Oh l'animation. C'est le moyen d'atteindre Makora et de le charcuter avant qu'il décide une attaque à venir. Regardez-moi gros, regardez-moi ça. Non, 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 non. Non, 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 je vais devenir fou gros. Cet animé c'est une masterclass, cet arc c'est du n'importe quoi, mais c'est du n'importe quoi ce qu'on graille là. Regardez-moi le chaos qu'ils sont en train de faire là. Et Makora c'est un monstre, hein. C'est un monstre. Mais regardez-moi l'ambiance qu'il nous offre là. Eh c'est... Eh j'ai pas les mots, j'ai plus les mots gros. Chaque semaine je vais dire que c'est le meilleur épisode gros. Cet épisode il est incroyable gros. Wesh il est trop épique frère, c'est quoi tout ça là? Oh l'arc de feu que j'ai contre Jogo. Oh il va le terminer avec ça. Ouais Fuga. Incroyable. Oh lourd, oh les ombres, oh lourd ce qu'ils ont fait là, en arrière-plan. Oh, est-ce qu'on est parti? Oh, il savait que son... Ah, ok, il savait que ça allait pas durer, qu'il était donné, il allait reprendre le contrôle. Il est choqué, hein. Tous les dégâts et les morts qu'il a fait là, il va s'en prendre à lui-même. Il va s'en prendre à lui-même, gros. Eh, gros. Wesh! Ah non, c'est Sukuna, wesh, comment? Il se passe quoi là? Et après, il l'avait parrainé, gros. Là, il pouvait le tuer, là. Il va le tuer, c'était sûr, gros, c'était ça! Gros, il a coupé son visage en deux. Mince. Ok, ce que je me suis dit, c'est le moment. Il va reprendre le contrôle. Wesh, Sukuna, vraiment, il est... Wesh, il a un DD. Ouais. Ouais, est-ce que cette vitesse... Il va aller où, là? Il va aller où? Qu'est-ce qu'il va faire durant le peu de temps, là, qu'il a... Ok, non, il va prendre le contrôle maintenant. Ah, est-ce qu'on a ça, hein? Eh, gros, dis-moi le chaos qu'il a fait. Il va s'en prendre à lui-même, là. Il va s'en prendre à lui-même. Dis-moi tout le chaos qu'il a fait, frère. Toutes les pères civiles. Ok, c'est le moment. Ok, lourd ce qu'ils ont fait. Ok. Dis-moi. Damn, il a vu tous. Non!
Oh, mesquine. Mesquine, beau. Wesh, oh, il est en train de craquer, gros. Il est en train de faire une R.E.D. Il est en train de faire une Subaru dans Re:Zero, gros. Il est en train de craquer. T'es-moi tous les dégâts qu'il a fait. Cet animé, il est incroyable. Même l'OST, wesh. Même qu'ils font une engine comme ça, frère. Eh, cet épisode, c'est du 10 sur 10. Ok, il se reprend. Wesh, t'as dit, gros, il est sombre. Y'a pas de la pédale, hein. Ah ouais, je serais un véritable assassin. Oh, c'est pas fini. Il se passe quoi, là, encore? Oh non, ami! Yes, il a encore en vie! Wesh, il est brûlé, frère, la moitié de son corps, il est brûlé. Oh non, non, c'est tard, gros. C'est tard qu'il est trop sanglant, wesh. Il se passe quoi, frère? Je sais même pas quoi dire, gros. Je sais pas quoi dire. Encore un épisode que je considère comme le meilleur épisode du Sky. Non, mais ils sont trop forts. Je sais pas si ça va s'arrêter, parce que je pense qu'il reste encore un petit bon 4-5 épisodes tête de l'arc Shibuya. Je sais pas si ça va continuer encore à être sale, mais cet arc, c'est du grand n'importe quoi. Il se trouve, mais ils servent, en termes d'animation, ils servent, gros. Ils nous donnent du poulet. C'est incroyable, quoi. Semaine après semaine, gros. Après, grosse force à eux, parce que je sais qu'ils se remènent. Et c'est pas bon pour eux, tu vois. Et encore plus de ça. Et encore pour mettre des... Hein, il y a des gens qui se plaignent de l'animation, gros. Il y a des gens qui arrivent à se plaindre sur l'animation, gros. Eh, cet animé, gros. Faudra attendre à la fin de l'arc, là, pour donner un petit classement, tu vois, en termes d'animé, en termes d'arc. Et pour l'instant, c'est une masterclass. Hein. Vraiment, au tout début, quand on a commencé cet arc, je me suis dit, bon, c'est lourd, tu vois, mais ça atteint pas la hype que les gens ils disaient, tu vois. Mais là, j'ai plus les mots, frère. Chaque épisode, c'est une dinguerie. Cet épisode, c'était du grand n'importe quoi encore. Incroyable, on arrête le blabla les gens. Si t'as kiffé, un bon like, commentez, partagez, abonnez-vous, bye sur ce. Peace.